Mesdames, Messieurs, chers leaders mondiaux, chers délégués, nous, jeunes délégués du Bénin, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, d'une population de 13 millions d'habitants, tenons à exprimer l'importance cruciale de l'éducation climatique pour notre pays. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont des défis sans précédent qui nécessite une action urgente. Nous plaidons pour une éducation climatique de qualité, intégrée et holistique, qui sensibilise à l'urgence climatique, encourage la pensée critique et inspire des actions individuelles et collectives. La crise climatique affecte notre système éducatif. Les événements météorologiques extrêmes perturbent régulièrement les activités scolaires et le manque de ressources et de formations spécifiques pour les enseignants entrave la diffusion efficace de l'éducation climatique. Même nous, jeunes délégués pendant plus de 13 années d'études, n'avons bénéficié d'aucune éducation climatique, encore moins complète, soulignant ainsi le besoin urgent de l'intégrer pleinement dans notre système éducatif. Il faut bien le reconnaître, actuellement, l'éducation climatique est insuffisamment intégrée dans les programmes scolaires. Quelques initiatives sporadiques de sensibilisation ont été entreprises par des organisations de la société civile et des jeunes engagés, mais elle manque de coordination et de financement adéquats pour un impact significatif. Des efforts sont donc à faire en supplément pour renforcer l'éducation climatique à tous les niveaux de la société. En tant que jeunes délégués engagés pour un avenir durable, nous demandons aux autorités en charge de l'éducation et de l'environnement dans notre pays d'agir concrètement à l'intégration obligatoire de l'éducation climatique dans tous les niveaux d'enseignement, en tenant compte des spécificités régionales, des programmes de formation spécifiques pour les enseignants afin de dispenser efficacement des cours d'éducation climatique, la coordination entre les ministères de l'éducation et de l'environnement, ainsi qu'un financement adéquat pour soutenir l'implémentation efficace de l'éducation climatique, et la création de partenariats entre le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les institutions éducatives pour renforcer les initiatives éducatives climatiques.